Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au ressuscité. Gloire au Dieu vivant. Gloire à Elohim, à El Shaddai, au roi des rois, au Saint des saints, à l'Alpha et à l'Oméga, à celui qui ouvre et personne ne peut fermer, à celui qui élève et personne ne peut rabaisser, à celui qui donne à qui personne ne peut arracher. Son nom c'est Jésus. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous bien aimé. Bien aimé, le livre de Matthieu 28. Verset 19 à 20 dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, hier, c'était une journée extraordinaire pour plusieurs parmi nous. Nous avons moissonné pas moins d'une dizaine d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ et dont leurs noms nouveaux sont inscrits dans le livre de vie. J'aimerais inviter ici toutes ces personnes qui sont passées par les eaux du baptême hier. Nous allons les présenter officiellement devant le corps du Christ. Alléluia. Toi qui étais plongé dans les eaux du baptême hier au nom de Jésus, nous t'invitons ici. Amen. Je veux rappeler devant la face du monde que le baptême se fait par immersion et au nom de Jésus. Et donc tout baptême qui a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne donne pas accès au ciel. Tout baptême qui a été fait dans une église ou un port de bac, des bacs de mariage ne donne pas accès au ciel. Tout baptême qui a été fait par une femme ne donne pas accès au ciel. Tout baptême, comme on l'a vu hier malheureusement, juste à côté de nous, il y avait une église qui baptisait et on a vu des femmes en short, des femmes en bramesse, des femmes en débardeur. Les pasteurs eux-mêmes avaient porté des pantacours. Oh Jésus! Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je voulais aller, le Seigneur m'a dit laisse tomber. Il y en a même, il y avait des femmes, le pantalon, non. Non, l'un des pasteurs, le short qu'il avait porté, arrivait à mi-cuisse. Chérie, regarde ma cuisse. Alléluia. Or, le livre de Lévitique 18, verset 19, dit qu'on ne doit pas voir la nudité d'une autre personne à part que celle qu'on a épousée ou celui qu'on a épousé. Donc, c'est un baptême de nudistes qu'on a vu hier. Alléluia, de nudistes. Amen. C'était froid, c'était plat. Aucune manifestation de démons. Au contraire, les démons étaient contents. Alléluia. Aucune manifestation du Saint-Esprit parce que le baptême n'a pas été fait conformément à la sainte doctrine. Donc toi qui étais baptisé dans une église où les femmes mettent mèche, ton baptême ne conduit pas au ciel mais chez le voisin. Toi qui étais baptisé dans une église où les femmes s'habillent en pantalon, chérie regarde ma poitrine, chérie regarde mes fesses, chérie regarde mon dos, ton baptême ne conduit pas au ciel. Alléluia. Les seuls baptêmes qui sont reconnus au ciel, ce sont les baptêmes qui sont faits conformément aux exigences de la sainte doctrine. Alléluia. Quelqu'un a dit, il est arrivé encore. Il aurait dit, reste au Bénin. Ah, Satan n'est pas content. Ah, qu'il soit content ou pas, la sainte doctrine est prêchée. Et dans toute sa rigueur, dans toute sa vérité, le Seigneur l'a dit tout à l'heure, il n'est pas venu prendre la masse, il est sélectif. De la même façon dont on parle d'une migration sélective, lorsqu'on va aller en Europe, c'est comme ça que pour aller au ciel, il y a une immigration sélective. Man of God, c'est pas ça. Elle est sélective. Et évidemment, si tu n'es pas dans la sélecte, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia. Voici les sélectionnés ici. Amen. Le Seigneur a bien voulu, dans sa grâce, attirer ses brebis à lui. Donnez-le un micro rapidement, s'il vous plaît. Chacun devra se présenter. Jésus, c'est le nom de Dieu. Vous allez voir.